hip. J'aime bien regarder ce programme finalement, il est très enrichissant franchement. Moi aussi, je l'adore, surtout Nagui, il est trop marrant. Hein. Ouais, je le trouve aussi sympathique. C'est vraiment apaisant de regarder un truc comme ça après la journée. Attends, c'est pas la fin. Oui, c'est la fin, je vais voir ça. Okay. Bonjour madame, Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous avez une lettre madame. Merci. Je vais demander votre signature. Oui, bien sûr. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, chérie, c'est quoi? Je ne sais pas encore. Oh, c'est le bulletin de Jack. Redouble. Oui, il redouble. Jack! Debout et silence, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Procès numéro 312 pour technofolie contre un jeune Français appelé Jack Ouxé. Faites entrer l'accusé, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Ouxé sont représentés par Maître M. Le Noble. Monsieur Jack Ouxé est représenté par Maître Ajor Le Snob. Mesdames et messieurs, les membres de la cour, nous tenons à vous mettre au courant des circonstances des faits. Madame et Monsieur Ouxé portent plainte et accusent leur fils d'une utilisation excessive de technologie. Nous appelons donc Monsieur Jack Ouxé à la barre. Alors Monsieur Ouxé, vos parents sont présents aujourd'hui pour porter plainte contre votre utilisation excessive de votre smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je comprends rien, messieurs. Un peu de sérieux, monsieur. Détachez-vous de votre smartphone. Je crois qu'il vaut mieux céder la parole à vos parents afin qu'ils puissent nous expliquer mieux la situation. Monsieur le juge, le fait d'être parmi vous aujourd'hui et de porter plainte contre mon fils, mon cœur, ma seule raison de vivre, me rend si triste que j'en ai le cœur brisé. Mon fils, mon petit coucou. Je l'ai eu après 10 ans d'attente. J'ai toujours essayé d'être la maman parfaite pour lui. Mais hélas, tous mes efforts se sont envolés. J'ai toujours imaginé que nul ne pourra nous séparer. Mais comme vous remarquez, monsieur le juge, il est toujours cloué à sa chaise, noyé dans son iPhone. De plus, je constate que cela affecte son état psychique et psychologique. Il a tout quitté, ses études, ses amis, sa copine, son papa et même moi, sa maman chérie. Monsieur le juge, vous êtes mon seul secours. J'ai tout essayé. J'ai même essayé de communiquer avec lui en utilisant le machin de Facebook. Il m'a bloqué, votre honneur. Vous savez pourquoi? Tout simplement sous prétexte que je sature sa boîte de réception et que je suis le numéro 1 dans sa liste des 3 top amis. Il m'arrive de l'appeler sur le machin de Viber pour qu'il vienne dîner ou déjeuner. Il rate sa vie, monsieur le juge. J'en peux plus! J'en peux plus! Je peux plus supporter de le voir dans cette situation. Sauvez mon fils, sauvez-le. Oh, j'étouffe, chérie. Je peux plus respirer. Je crois que je vais tomber dans mes pas. Monsieur le juge, notre fils échappe à notre éducation. Il est hypnotisé par la technologie. Il ne communique même plus d'une façon directe avec les gens. Toujours concentré avec son smartphone. Il n'a plus de respect pour les autres. En fait, je le sentais venir depuis son jeune âge. Déjà qu'il nous envoyait des whiz, je sais pas quoi, sur MSN quand il était jeune. Lui de nous appeler maman, papa, c'était triste. Je le sentais venir, mais... Vous voyez, j'osais rien dire, il était petit. Et des fois, pour attirer notre attention, il nous faisait des symboles de geek. Ou bien des générateurs de son, de voix avec son smartphone ou son ordinateur portable. Je comprends plus rien. À table, ou même en classe, il porte toujours ses oreillettes. Il ne fait pas attention aux autres. Ses notes se dégradent continuellement. D'ailleurs, on n'arrête pas d'être interpellé par ses professeurs. Continuez, monsieur. Oui, bah, à cause de son comportement en classe, bien sûr. Ces nouvelles technologies, monsieur le juge, je trouve qu'elles infectent cette génération et dégraissent les relations sociales entre les jeunes. Il apparaît que l'utilisation du portable ou d'internet pour
pour communiquer réduit considérablement leur besoin de sortir avec leurs amis. En effet, ils ont plutôt tendance à utiliser ces nouveaux outils de Skype plutôt. Notre fils n'arrive même plus à se faire des amis d'une façon indirecte, mais plutôt grâce à ces plateformes virtuelles, je ne sais quoi. Ainsi, il passe son temps à discuter avec certains amis sur Viber et Skype, au lieu de sortir et rencontrer et pratiquer diverses activités entre groupes. Maintenant, après avoir écouté Madame et Monsieur Cuxé, je vais devoir céder la parole à Maître Ajor Le Snob, l'avocat de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de comparaître devant vous aujourd'hui en qualité de conseil d'avocat d'affaires de Monsieur Jacques Cuxé. En premier lieu, la technologie, comme le mot le précise, sont des moyens matériels et des organisations structurelles qui mettent en œuvre les découvertes des applications scientifiques plus récentes. Les réseaux sociaux étant des espaces virtuels et permettent à l'utilisateur de communiquer et échanger ses informations et son goût avec les autres. Font partie des communiqués, des nouvelles technologies. Il faut faire que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la vie quotidienne. Facebook, Twitter, MySpace, ils sont partout. Les médias sociaux s'avèrent aussi fort intéressants et profitables dans la réalisation des projets d'équipe, puisqu'ils permettent l'échange des idées et la collaboration à distance. Ainsi, les élèves peuvent accéder rapidement à l'information dont ils ont besoin pour faire leurs devoirs. Ils peuvent également collaborer en ligne avec leurs camarades de classe et on peut les utiliser comme moyen de distraction. Ces nouveaux médias offrent aux jeunes la possibilité d'être indépendants et aussi de former leur personnalité vis-à-vis de leur famille et de la société. En fait, j'aimerais bien rappeler mon client à la barre. Jacques, vos parents vous accusent d'utilisation excessive de la technologie. Pourriez-vous vous dépendre par rapport à ça? Je suis Jacques Cuxé, un élève français, je viens de Saint-Étienne. Je préfère garder le silence, j'aime pas qu'on me dérange, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook. J'adore la technologie, ça te donne tout ce que tu veux, ça répond à tous tes besoins, à toutes tes questions en temps réel. On le dit souvent. Pourtant, je comprends pas pourquoi mes parents sont des technophobes, bizarres. D'ailleurs, mes parents et la technologie, c'est une question particulière. Déjà, quand ils parlent, j'ai l'impression qu'ils font tout leur possible pour se tromper. Du genre, oh là là, je capte mal le Wi-Fi. Tu veux le Wi-Fi, maman? Ok. Mes parents, par exemple, ils galèrent. Ils essaient mais du n'importe quoi et je crois que ma mère, c'est la personne qui tape moins vite au monde sur un clavier. Je me suis rendu compte lorsque m'a ajouté sur Facebook. Elle m'a dit, oh mon fils, ça va? Je lui ai dit, oui. Et à ce moment-là, elle prend 45 minutes pour te dire « LOL, c'est grave !» Très bien, monsieur le juge. Ce sera tout pour le moment. Je cède la parole à ma consœur. Maintenant que nous avons écouté l'avocat de la Défense, je vais céder la parole à Maître Emma Lenoble, l'avocat de la victime. Merci, monsieur le juge, de m'avoir accordé la parole. Certes, la technologie a des avantages énormes. D'ailleurs, son développement et sa propagation se sont faits d'une vitesse accélérée. Graduellement, cette technologie s'est transformée en une gigantesque industrie de loisirs. C'est alors qu'elle a trouvé de nombreux adeptes parmi les adolescents. L'arrivée des technologies a-t-elle donc transformé radicalement la vie des adolescents? C'est une question que beaucoup se posent. C'est le cas pour mes clients. D'une part, j'aimerais bien vous lire donc un extrait d'une recherche faite par le Centre médical de Montréal, Canada, affirmant que les adolescents qui utilisent les smartphones absorbent le rayonnement électromagnétique plus que les adultes. Parmi les risques possibles pour la santé mentionnés par cette recherche, certains peuvent être exposés au danger d'épilepsie, d'infertilité masculine, d'hypersensibilité électromagnétique, de puberté. D'autre part, je tiens à vous signaler que cet excès d'utilisation a bien influencé les notes de M. Jack au collège. Son relevé de notes pourra vous donner plus de détails. D'ailleurs, dans ce cadre, j'aimerais bien appeler l'accusé à la barre pour lui poser 3 petites questions d'évaluation. Permission accordée. Alors, monsieur, 3 carrés nous donnent 6. Faux, c'est plutôt 9. Maintenant, nous savons très bien que le drapeau de la France contient 3 couleurs. Que signifie chacune d'elles? Ben, j'en sais rien. C'est plutôt l'égalité, la fraternité et la liberté. Changeons de thème. Une dernière question.
Quelle est la dernière version de l'iPhone, monsieur? Ben, c'est aussi facile, l'iPhone 6 Plus. En position, monsieur le juge. Je ne vois pas l'utilité de poser une telle question dans un tribunal comme ça. Ce n'est pas une séance de cours. Opposition refusée. Je vois que ces trois questions pourront évoluer le niveau de monsieur Jack. Si vous avez remarqué, madame, l'accusé a trouvé du mal à répondre. Pourtant, c'était bien le contenu du programme de sa classe. Vous pouvez continuer, maître Lenoble. Merci, monsieur le juge. Avec votre permission, je poursuivrai mon exposé. Votre honneur, compte tenu des interruptions, je souhaiterais bénéficier d'une extension de temps de parole pour développer un dernier argument relatif à la perte de sa vie sentimentale. Je voudrais ainsi appeler notre témoin, mademoiselle Rose Dawson, ex-copine de l'accusé, à la barre. Mademoiselle Rose, avancez s'il vous plaît. Veuillez vous installer. Parfait. Veuillez jurer, mademoiselle, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le juge, pour commencer, cet individu que j'ai chéri pendant des années m'a abandonné, délaissé, au profit de quoi? Au profit de quoi? D'une merdique technologie. Non seulement qu'il ne fait plus attention à moi, mais aussi quand j'attends une approche affective, il me repousse d'une manière catégorique et retourne jouer avec sa bidule électronique. Imaginez, monsieur, le jour de Saint-Valentin, il m'a poqué sur Facebook. Il m'a envoyé un bouquet de fleurs virtuelles et comme soirée, il m'a réservé un tournoi de jeux en ligne. Quand même, monsieur, je suis une fille qui a des besoins affectifs, intimes. Je me fais belle chaque matin pour lui et lui, avec sa stupide rétrica, me dit que je peux devenir plus belle. Le suis-je devenue? Mais non! Monsieur le juge, cette situation n'est plus vivable. Je vous prie de me donner gain de cause de ce technofou qui m'a laissé le cœur vide, sombre, après X années de vie commune et qui m'a remplacé avec une boîte en métal. Mademoiselle Dawson, je comprends très très bien votre mécontentement. Simplement, je vous demande de bien vouloir vous calmer afin que je vous pose quelques petites questions. Il paraît, madame, que vous étiez le couple parfait. Et si j'ai bien compris, c'est que suite à son achat de smartphone, monsieur Jack a dû changer de comportement. Pouvez-vous nous donner plus de détails pour qu'on puisse bien comprendre la situation? Tu me manques, chérie. Toi aussi, bébé. J'ai plus que 2 heures que je t'ai pas vue. Oui, ça fait longtemps. J'ai un plus pour toi, bébé. Vraiment? Oui. Voici mon cadeau, bébé. Merci, bébé. Je t'aime énormément, chérie. Vous voyez, madame, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends très bien votre mécontentement, madame. Je comprends la situation. Je vous demande de bien vouloir vous calmer. Je vous remercie et je vous demande de rejoindre votre place, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le juge, il est évident que monsieur Jack Huxley perd sa vie professionnelle ainsi que sentimentale. Dans ce cadre, je rappelle que le savant Albert Einstein avait dit « Je crains le jour où la technologie surpassera les interactions humaines. Le monde connaîtra alors une génération d'idiots. Monsieur le juge, mes clients qui sont des parents respectueux et respectables, qui ont dû se sacrifier pour garantir une atmosphère de stabilité et d'amour à leur enfant, ainsi que mademoiselle Dawson, veulent et exigent des excuses exquises. De ce fait, je demande une très grande sévérité afin que monsieur Jack se sente responsable. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les membres de la cour, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce sera tout. Je vous remercie, maître Lenoble. Maître le Snob, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous cède la parole. Merci, monsieur le juge. En effet, ma consœur demande une très grande sévérité. Je vous rappelle que l'article 5 de la Déclaration universelle de l'utilisation de la technologie affirme... Il est où l'article 5? Alors, un instant. Contrôle F, article 5... Ah, voilà. Alors... Cet article affirme que nul n'est privé d'utiliser la technologie, ni nul n'a le droit de s'emparer du smartphone d'autrui, ni lui faire subir des traitements dégradants.
Monsieur le juge, les technologies et les différents réseaux sociaux installés sur les smartphones nous a grandement facilité la vie en augmentant la productivité. Il faut admettre que nous vivons dans un monde virtuel où la technologie ne cesse de progresser. Ça sera tout. Merci, monsieur le juge. L'audience reprendra dans 10 minutes. Nous nous retirons pour délibérer. Suite à notre débat, nous avons déclaré Monsieur Jack comme... Excusez-moi. À votre place, je dirais non coupable. Non coupable.